Nous sommes avec Godefroy Bilodeau, l'entraîneur du Centre national d'entraînement Pierre Harvey, ici à Naugatuck. Alors, Godefroy, tes impressions de la fin de semaine? Très belle fin de semaine. Ça a commencé, comme on s'est dit un peu plus tôt, par le sprint, où on a eu des bonnes performances, puis un petit peu des déceptions avec la chute d'Alexis, la disqualification de Frédéric. Fait que ça a commencé un petit peu en dentis pour vendredi. Puis on a eu des superbes performances en skate hier. Puis je pense que ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est la solidité de notre groupe. Vraiment, ceux qui sont nos juniors, qui ont couru chez les seniors, comme Raphaël, par exemple, ont assuré vraiment... la journée, on fait des très bonnes courses, comme Raphaël a terminé 8e chez les seniors. Il y a Sandrine qui a protégé, elle a commencé 5e, puis elle a terminé 6e. Donc Sandrine, superbe course de classique pour elle aujourd'hui. Belle remontée d'Anne-Marie Comeau qui termine 9e, Frédéric Vézina 11e. Là, je vais en oublier, mais Alexis Turgeon aussi qui, je pense, qui se retrouve dans le top 20. Fait que je pense qu'il a gagné à peu près 22 positions dans sa journée. Fait qu'excellente course pour lui aussi. Fait que somme toute, vraiment, pour la journée classique d'aujourd'hui, là, très bon. Merci. Ça fait plaisir.